Moment important dans ma carrière. Point de départ. Je gagne, je suis champion. Super-héros part vers de nouvelles aventures, non pas à bord de la Batmobile, mais à bord d'une super caisse à savon. Cette semaine, nous vous proposons une découverte des ateliers caisse à savon qui se sont déroulés au centre Camille Corot tout le mois de juillet. 84. Alors en fait, depuis début juillet, avec un groupe de jeunes, donc 10 jeunes, depuis début juillet, on a réalisé des caisses à savon qui sont ici derrière. Donc un groupe avec le centre de loisirs de Saint-Nicolas et puis un groupe de jeunes que j'ai moi rencontré dans le quartier. Donc il y en a deux aujourd'hui, c'est un groupe de 4. Donc l'idée c'est de réaliser des caisses à savon pour faire des courses ici dans le centre Camille Corot. En fait on a travaillé sur plan donc avec Sébastien qui est animateur au centre de loisirs. On a travaillé sur plan pour réaliser donc un requin et puis des espèces de vagues. Pour le châssis, on a réfléchi avec les jeunes également. Et pour la dernière, a priori, ça devrait être des flammes. Donc un châssis différent. Les jeunes ont souhaité réaliser un châssis un peu moins rectangulaire. Pour terminer cet atelier, les enfants ont pu essayer leur bolide à Camille Corot. Juste pour le plaisir de rouler, de dévaler les pentes, de s'amuser. Tourne pas le trou dans la chaîne. Après, quand t'es dans le virage. C'était une très bonne ambiance, c'était cool. Donc c'était toutes des matinées. On a travaillé dans une ambiance détendue. On savait ce qu'on devait faire. Donc chaque jour, on savait ce qui était prévu. C'était bon enfant en fait. Puis rapidement on a pu essayer donc, les caisses, donc ça donne un peu plus d'intérêt pour les ateliers. Quoi. D'ailleurs, j'ai des jeunes qui m'ont demandé pour faire ça sur l'année, pour améliorer, par exemple pour améliorer au niveau du système de freinage qui est encore défectueux, pour améliorer l'esthétisme, pour la forme, etc. Donc, on va peut-être voir si c'est possible dans le cadre du centre social, si c'est possible. C'est une action qui a pu voir le jour par le partenariat du centre de loisirs et du club de prévention. Et puis c'est une action qui est financée par le quartier d'été.